Tout le monde gagne à l'Eïd, mais si aujourd'hui les Nishmat Avraham Mordechai ben Yitzhak Vefani, Dora Bat Esther, et Yosef Shahuda ben Tzara, si vous savez aussi l'idée, je vous gêne, tu ne peux pas contacter à 5 minutes éternelles. Désolé pour la colle, mais ça va m'intimera Dora. Et voilà, on nous étudions aujourd'hui, mais c'est pas mot, mais avec Mishnah Zain. Ben Teja Shanim de Yom Echad, Shema Yevimto, Lachakar Baal et Achiv, Shehu Ben Teja Shanim de Yom Echad, Basal Aliado. Rabbi Shimon Omer l'Opassal. On a une Mishnah en fait qui reprend le sujet de la Mishnah Vav, qui va maintenant, on va partir avec ce sujet jusqu'à la fin du chapitre, qui parle du Ben Teja Shanim, un enfant de 9 ans et un jour, qui va avoir un rapport avec sa Yevama. Je ne vais pas trop allonger aujourd'hui parce que c'est très dur pour moi de parler, et je risque de l'intérieur encore plus, mais succinctement, je vous explique le principe. Il y a tout d'abord un enfant de 9 ans et un jour, à partir de 9 ans. Il y a trois périodes dans l'enfant. Depuis qu'il naît jusqu'à qu'il a. Sur les garçons. Depuis qu'il naît jusqu'à l'âge de 9 ans. De 9 ans jusqu'à 13 ans. Et 13 ans ensuite. Jusqu'à 120 ans. Il y a, lorsqu'il est enfant, s'il a un rapport avec une femme, c'est pas considéré comme un rapport. C'est considéré comme si il mettait un doigt. Ça n'a pas un statut de membre. D'accord? À partir, ça veut dire qu'en fait, si vous allez prendre par exemple un enfant qui va partir avec une femme mariée, un enfant de moins de 9 ans qui va partir avec une femme mariée, il ne va pas la rendre interdite à son mari. Parce que ce n'est pas un rapport qu'il a. D'accord? C'est pas une bia. Ça n'a pas un chat de bia. C'est sûr qu'elle a fait quelque chose de pas joli. On n'a pas de doute. En tout cas, elle n'a pas, ça, elle n'a pas eu un rapport avec une femme de l'interdit à son mari, que ça n'a eu un rapport. Pas si elle a eu des préliminaires, les attouchements, mais si ton cas peut y avoir. D'accord? À partir de 9 ans, la bia d'un katan devient une bia, c'est-à-dire qu'il considère que son rapport a un statut de rapport, mais même s'il n'est pas apte à avoir des enfants, jusqu'à l'âge de 13 ans, il ne peut pas avoir des enfants. À partir de 13 ans, la puberté, alors là, il commence à sécréter tout ce qu'il lui faut pour maintenant, pour avoir des enfants. Mais entre 9 ans et 13 ans, on considère que sa bia, c'est une bia, mais pas apte à avoir des enfants. Ok? C'est le sujet maintenant qu'on va parler dans toutes nos Mishnah, jusqu'à la fin du chapitre, dans différentes situations, s'il va avoir des rapports. Pour ce qui nous concerne par rapport à la Yevama maintenant, alors il y a quelque chose de particulier. En temps normal, tout d'abord, un enfant ne peut pas avoir une femme, c'est pas possible. Parce que pour pouvoir avoir une femme, il faut avoir du dat, il faut avoir une conscience, il faut avoir une maturité qu'il n'a pas. Il ne peut pas acheter une femme. Il peut pas, même lorsqu'il va acquérir quelque chose, il ne va pas acquérir une minorita quelque chose. Il y a certaines situations, des cas particuliers, mais en général, il ne peut jamais avoir un minorita. S'il trouve quelque chose par terre, il le ramasse. Ce sera lui qui est rabanane, donc il n'a pas 13 ans, parce qu'il n'a pas de dat. Ok? Il faut du dat, selon le principe. Un enfant de moins de 13 ans ne peut pas marier une femme. S'il va aller se marier avec elle, il n'a pas de date, c'est comme si il est sous, d'accord, il n'a pas de date, il n'a pas de conscience, apte à faire des kinanim. Avoir la conscience, ça ne veut pas dire sur le moment, ça veut dire avoir la conscience de la portée de ses actes, pour ensuite agir, hein, d'accord, c'est ce qu'on appelle le date. Maintenant, malgré tout, il y a un cas particulier où un enfant, il peut avoir une femme, c'est en fait lorsque son frère, il a marié une femme, et qu'il est décédé, son enfant. Et lui, maintenant, il va lui faire le hiboum. À partir de 9 ans, sa bia est une bia. S'il a moins de 9 ans, il va pas il va partir avec elle. C'est à considérer comme rien du tout. Il a toujours, il sait toujours pas. Elle est toujours pas eu de rapport avec elle. À partir de 9 ans, il a un rapport. Mais attention, le rapport qu'il a donne un statut de. Comme si qu'il avait fait des kidouches et ma'amar. Une machloquette, un gilet, j'avais expliqué ça dans le chat précédent, en sous-côte, où il y a une machloquette, un gilet, selon Rashi, c'est sa femme complètement minatora. Mais Rabim, ils ont décrété que ce ne sera pas vraiment sa femme, et donc ils ont diminué la force. Selon Tosvot, a priori, ce n'est pas sa femme pleinement, c'est sa femme qu'à moitié. Ouais, comme si qu'elle avait fait des kidouchei ma'amar. Vous rappelez que le shei ma'amar, lorsqu'on le yavam, il va donner des kidouchines à la yavama, ça va devenir sa femme à moitié. Ben c'est le même principe lorsque le petit il va partir, le petit de 9 ans et un jour jusqu'à l'âge de 13 ans, il va avoir un rapport avec la Yevama, il va avoir un statut que c'est devenu comme ça demi-femme.
S'il a d'autres frères, alors c'est la Mishnah précédente qui nous parlait des différentes situations, les interférences, en fait, je sais pas comment dire, lorsque lui, il a eu un rapport avec elle et qu'un autre a aussi un rapport, qui peut donner que de chez Mahamar, est-ce qu'un, il va l'interdire à l'autre? Ça, c'était le sujet de la Mishnah précédente. Dans notre Mishnah, on va s'intéresser, en fait, deux frères qui ont 9 ans et un jour. Le premier, il va aller avec la Yevama. Et finalement, le deuxième, il va partir avec la Yevama. Est-ce qu'on considère que cette fois-ci, elle va être à moitié mariée aux deux, donc tous les deux, ils devront lui donner un guet et lui faire Khalitza quand ils grandiront? Ou est-ce qu'on va dire non? Et c'est dans ça qu'il y a une marloquette, en fait. Est-ce qu'on va dire non? Toi, ton hiboum de 9 ans et un jour jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est considéré comme un 50% de hiboum. Lorsque ton frère, qui est dans la même situation que toi, il va faire la même chose, il ne va pas améliorer sa situation. Il sera aussi lui au même. Il ne va pas faire quelque chose de mieux que toi. Donc de deux choses l'une. Soit ce qu'il a fait, soit c'est quelque chose qui est censé marcher. Donc le premier, il a déjà acquis la femme. Soit c'est une bia qui n'est pas censée marcher. Donc le deuxième aussi, il n'acquérera pas la femme. C'est la fin de la vie de Rabbi Shimon. Regardez, on fait ça dans les mots. Ben Teshashanim Veyom Echad Shebal Yevimto. Un enfant de 9 ans et un jour qui est parti avoir un rapport avec sa Yevama pour la marier. Et après, il y a son petit frère, son autre frère, il peut être plus grand ou plus petit que lui, ça ne change rien, problème, qui a aussi 9 ans et un jour, mais qui n'a pas encore 13 ans, et qui va aussi partir avec la même Yevama. Qu'est-ce qu'on fait? Pas ça l'aliado, selon le premier avis de la Mishnah. Eh bien, il a interdit la femme à son frère. Le deuxième, étant donné qu'elle est comme selon les mêmes principes qu'on a appris, que qu'on fait des Mahamar après Mahamar, Yesh Mahamar après Mahamar, vous rappelez, dans les temps Perek Revi, que Yesh Mahamar après Mahamar, que c'est un frère qui fait Mahamar, étant donné que ça ne marie pas complètement, le deuxième qui vient après, il va aussi réussir à détériorer le premier. Ça, c'est le premier avis de Tanakama. Tandis que Rabbi Shimon Omer, l'opassal, Rabbi Shimon nous dit que, l'opassal, Rabbi Shimon dit que si le deuxième va avoir un rapport, le frère de 9 ans et un jour, il va aussi avoir un rapport avec la femme, il ne va pas l'interdire, parce que comme ce qu'on expliquait, que de deux choses l'une, soit elle est mariée au premier, à moitié, le deuxième il fait exactement la même chose, donc ça peut m'arranger. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha. Avec le Saint-Hachem, dans l'espoir que demain j'aurai une voix meilleure pour mieux vous expliquer, plus de patience surtout. Et voilà, call to cela.